Le département du Lot a compté jusqu'à 6 maternités. Celle de Saint-Céret a fermé en 1997. Progressivement, toutes les autres ont baissé le rideau. La maternité de l'hôpital de Cahors est aujourd'hui la dernière. Et les femmes viennent de plus en plus loin pour y accoucher. Bon, on a une maman qui gère super bien ses contractions. Ça, c'est clair. Elle dit rien. Pas stressé. C'est super bien ce que vous faites. Ce qu'on peut vous proposer, c'est le masque. Hein, vous savez, respirer le gaz qui peut vous diminuer un petit peu la douleur des contractions si vous souhaitez. Élodie est sage-femme. Je suis née ici il y a 36 ans. C'est marrant de se dire qu'on est né là et qu'on est venu travailler là. J'ai même connu la sage-femme qui m'a mis au monde ici, puisqu'elle travaillait encore quand je suis arrivée. Donc c'est vrai que c'est rigolo. On est attaché à notre ville et à cette maternité. Et oui, on dit toujours qu'on va bouger, qu'on va faire des choses, qu'on va venir travailler ici 2 ans, mais qu'après, nous, on ne restera pas à Cahors. Et puis, en fait, le temps passe et on reste. Il est bientôt là, votre bébé. Ne poussez plus, Emma. Emma, on arrête de pousser. On pousse plus. Voilà. Eh ben, dis donc, il y en avait, oui, du liquide. On le savait. C'est fini, Emma. Allez, félicitations, Mickey 18. Emma, enlevez le masque, regardez-nous. Il est là, Tao. Regardez. Voilà. Tout s'est bien passé. Voilà. De jour comme de nuit, la maternité ne dort jamais. Ce soir, c'est au tour d'Élodie de prendre sa garde. Elle exerce ici depuis 12 ans, mais quand elle franchit les portes de l'hôpital le soir, elle n'est jamais vraiment sereine. Il y a toujours une appréhension, même après 12 ans, toutes les gardes sont différentes et du coup on ne peut jamais prévoir, on ne sait jamais, c'est l'inconnu. Il n'y a pas le même nombre de personnes, les gynécos sont pas là, les pédiatres sont pas là, voilà. Donc la nuit il y a toujours un peu plus de stress. Et puis il y a la fatigue. Élodie effectue la moitié de ses gardes la nuit dans une équipe en sous-effectif. Le rythme est de plus en plus difficile à tenir. Chaque nuit, elles sont seulement 2 sages-femmes à tenir le service. D'après le dernier décret de périnatalité, 2, c'est un chiffre suffisant pour une maternité de cette taille. Mais la réalité du terrain est tout autre. Accompagner les futures mamans ou celles qui viennent d'accoucher demande plus de disponibilité, surtout la nuit. Il y a un petit peu de cholestérol que vous avez exprimé là. Peut-être on peut lui en donner un petit peu juste pour la calmer. Et ensuite pour la météo aussi. La nuit, c'est toujours un moment où il y a des angoisses particulières qui se réveillent. Souvent, les bébés pleurent pas mal. Ils sont très éveillés en première partie de nuit. C'est pas toujours facile de savoir pourquoi l'enfant pleure. Donc nous, on est là, puis on les réconforte, on les renforce dans leur capacité à s'occuper de leur bébé. Sur le papier, la maternité devrait fonctionner avec 12 postes de sage-femme à temps plein. Mais le compte n'y est pas. Ici comme ailleurs, l'hôpital n'attire plus. Tao est né il y a 5 heures. Il a avalé beaucoup de liquide amniotique. Son état s'est détérioré. La pédiatre a demandé son transfert dans le service de néonatologie de l'hôpital. Regarde, on va te mettre le masque, ça va t'aider à respirer. La saturation d'oxygène n'est pas très très bonne. Donc là, c'est pour le remettre, il faut lui redonner de l'oxygène le temps qu'il évacue, quoi. Donc on va voir, quoi. On va juste pulser l'air. Ça va peut-être l'aider à ouvrir ses alvéoles. D'accord ? C'est vraiment comme un ballon de baudruche, vous voyez, l'air qu'on va propulser là. Ça va permettre à ces alvéoles de gonfler. Ok ? C'est vraiment ça. Le but, qu'à chaque fois, le pauvre, ça lui demande un effort de faire ça.